Il est pas trop beau! Annyeong, bienvenue sur Monsieur Parapluie, moi c'est Julien. Si tu me connais pas, je suis un directeur artistique qui a perdu sa voix et qui d'habitude réagit à des clips de K-pop, mais aussi parfois de la pop en chinois ou en japonais. Bienvenue dans le K-Charts, le top 20 de la Yusan Unit, ton top 20. Encore une fois, pardon pour l'état de ma voix, j'ai tout simplement perdu ma voix quand je suis allé faire l'interview pour Monsta X, je mettrai la vidéo là. Passant dans le métro, qui est tout froid, climatisé, et puis dehors qui faisait tout chaud, j'ai pris un méga coup de froid et j'ai perdu ma voix. Bon, soit, on va passer à la vidéo. Si c'est la première fois que tu viens sur le K-Chart, c'est un classement de musique coréenne que je fais chaque semaine dans lequel tu peux voter pour tes artistes préférés. Les chansons auxquelles tu peux voter, c'est simple, c'est les chansons auxquelles je fais des vidéos réactions jusqu'à un maximum de 8 semaines. Après la 8ème semaine, bah, j'enlève les chansons parce que sinon ça fait trop de chansons pour lesquelles tu peux voter. Et voilà. A chaque fois, je fais le calcul des points, des votes, et je crée le classement. S'il y a un ex-aequo, c'est simple, c'est moi qui décide de celui qui est au-dessus, de celui qui est en dessous. Il n'y a pas de raison particulière que j'ai à donner, c'est selon mon mood. Enfin, moi, il n'y a pas de raison, une fois j'en mets un au-dessus, une fois c'est l'autre, enfin voilà, ça dépend. Généralement, c'est selon mes goûts personnels, mais voilà. Tout au long de cette vidéo, tu verras des petits stickers. Ils ont plusieurs significations, comme la goutte de pluie bleue, c'est une nouveauté, c'est la première fois que la chanson rentre dans le charts. Le soleil, c'est une chanson qui est restée pendant 5 semaines consécutives ou non dans le charts tout simplement. L'éclair jaune, c'est la chanson qui a eu la meilleure progression, qui a fait le plus gros bond dans le classement. Le nuage, c'est le top 3, donc c'est une chanson qui a fait partie d'un top 3. Mon logo, le parapluie rose, c'est tout simplement ma chanson préférée de la semaine. Et le parapluie d'or, c'est une chanson qui a été numéro 1, tout simplement, genre c'est la meilleure, la plus grande distinction. Bon, maintenant qu'on a fait les présentations, je te laisse avec le charts et on se voit après pour une petite analyse comme d'habitude. Allez! Nanananana, en plus cette fois-ci j'ai la voix cassée. Nanananana, nanananana, nanananana. On remercie toujours pas Warner Music Japan parce qu'ils sont relous de bloquer cette vidéo et cet audio. Oh yeah.
shake it, shake it like you want my birthday. Et félicitations à Chungha qui décroche son tout premier numéro 1 dans le chart. Félicitations à elle avec Snapping. Le top 3 se termine par Ace et Stray Kids, deux chansons qui ont aussi chopé des numéros 1. Donc vous voyez que là c'est la guerre des numéros 1 parce que même le quatrième c'est CLC qui a aussi eu un numéro 1. Enfin c'est le bordel. On peut aussi féliciter les meilleures progressions qui sont GOT7 et BTS avec Heartbeat Love Loop. Donc félicitations à ces deux groupes qui ont fait les plus grosses entrées fracassantes cette semaine. Il y a aussi Bandit avec Dramatic, une chanson que j'aime vraiment beaucoup et je suis contente qu'elle soit au moins rentrée une fois dans le chart. Ma chanson préférée de cette semaine, ce sera NCT 127 avec Superhuman parce que j'aime beaucoup cette chanson tout simplement. Et ce matin en me levant, je l'avais en tête et je me suis dit bah aujourd'hui ce sera la chanson que je préfère cette semaine parce que je l'ai eu en tête toute la matinée, j'ai dansé dessus, je l'ai écouté et tout. Je trouve que c'est vraiment une chouette chanson et c'est pour ça qu'il reçoit ma bénédiction entre guillemets cette semaine. Bon, bien évidemment, comme chaque semaine, des chansons nous quittent, je regarde ma petite liste, donc il y a Kunshinda de My Darling, Leave It de Hell Flying, Jung de Meiki, Nguju Sonyo, enfin en ce moment elle est dans les Rocket Girls, Feedback de Ladies Code, et dans les chansons qui sont entrées dans le charts, il y a Voice de Taeyeon, en parlant de voix, c'est un peu ironique, Piki Piki de Wakey Meiki, une chanson que j'ai beaucoup aimé, je vais arriver à parler, j'adore, Aya de Winner qui termine en 20ème place cette semaine et Me and You de EXID qui était là aussi dans le charts pendant un long moment. Cette semaine, il n'y a que deux nouvelles chansons parce que j'ai pas pu faire beaucoup de vidéos réactions à cause de ma voix, désolé, mais il y en aura plus la semaine prochaine. Donc cette semaine, les deux chansons qui rentrent dans le chart, c'est Room Shaker de Hailey et TMT de Stray Kids. Donc pour voter, tu as déjà le lien en description de cette vidéo. Si tu trouves que des chansons manquent à l'appel, n'hésite pas à venir sur Amino, j'ai une page sur laquelle tu peux suggérer toutes les chansons que tu veux, c'est uniquement sur Amino que ça se passe. Je poste également la vidéo du chart et tu commandes sous cette vidéo et tu me dis quelle chanson tu voudrais voir arriver. Soit j'essaye de faire une réaction, comme ça c'est l'occasion, ou alors bah, je la rajouterai tout simplement comme c'est déjà le cas pour Runaway de Eric Nam par exemple, ou la collaboration NCT Dream avec Hervey. N'oublie pas que tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire YouTube, Instagram, Amino et Sming. Tu me suis si t'en as envie, uniquement si t'en as envie, mais ça fait toujours plaisir d'avoir un peu de soutien via la chaîne YouTube, etc., etc. Donc merci à toi si tu le fais, c'est super. Je pense que ce sera tout pour moi et pour ma voix, donc là je vais plus parler de la journée pour espérer avoir une bonne voix demain et essayer de faire des vidéos réactions, etc. parce que sinon je vais jamais y arriver. Merci à vous, à toi, de suivre la chaîne, c'est trop cool. Et on se dit bah, à la semaine prochaine pour un nouveau charts avec une meilleure voix. Bye 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 bye. Annyeong.